Ok, let's go, on a un très gros battle, deux mecs du roar. Wolf contre Crapaud, c'est Crapaud qui commence il me semble, c'est ça? Let's go! Crapaud. Allez. Ok, yo! Yo! Après mon battle contre Saint-Minem, on m'a demandé de me calmer sur les storytelling. Moi je veux bien, hein. Mais le truc, c'est que là, je suis grave tendu, donc écoute-moi bien, Florian. Il faut que je leur raconte. Pourquoi j'ai accepté de te battre ici? Tu vas voir, tout part d'une méprise. Non, parce que je descendais les poubelles en bas de chez moi. Tranquille. Quand tout d'un coup, déboule une Jeep grise, Neya et Wolf à l'avant de la caisse, les fenêtres se baissent. Et là, les gars sortent des clips vite, ils me braquent et ils me disent, yo, monte dans la voiture, le chargeur, on le vide, fils. Max, c'est vrai. Let's go. Là, je me freestyle. Regarde interloqué, puis le niveau de menace, je l'analyse vite, et puis... Bah, je t'écoute, t'as fait quoi? Bah, je suis remonté chez moi, ma tête la fin de Kill Bill, tu vois. Du coup, pas le choix, Wolf m'appelle et il me dit, gros, bien sûr Paris, c'est chill, on va aller à l'IRL, c'est le shit, va voir, tous les quatre se raccrochent au bar, c'est le kiff. Wolf, t'es foutu de ma gueule, tu fais de moi un type triste, mais quand m'a dit que toutes les chattes se raccrochaient au bar, j'espérais que tu m'emmènes dans un bar de striptease. Let's go. Mais non, toi, t'es pas comme ça. Toi, tu préfères m'emmener dans une salle remplie d'hommes. Aurore, t'as goûté au rugissement du lion. Donc maintenant, tu veux retrouver une antilope. Mais gros, moi, je suis pas le bon client. Je sais même pas si j'ai besoin de brandir le Glock, car moi, c'est le crapaud. Ouais. Donc si je crache mon venin, je te rappelle qu'il n'y a pas d'antidote. Et ouais, des bases, des rimes et des raids, j'en ai 100 qui pop. D'ailleurs, t'as pas une tête à t'appeler Florian. Non, t'as une tête à t'appeler Jean-Christophe. Un mec qui joue avec son glandiforme sur les joues de sa tante Simone. Enfin bref, j'ai la technique de heal. Donc j'ai l'arrime anti-flop, école des X-Men. Je représente le grand hip-hop. Et si t'en es le fauve, t'es dans la ligne de mire du mutant qui cogne. Donc fuck le crapaud. Nouvel arsenal, vision thermique, je reviens en cyclope. Let's go. T'es sûr un même multi, hein? Pas dommage, mais ça s'arrête que quand je dis stop. Sur la carte, on est... Sur la carte, on est placé dans le même spot. Mais y'a plus de prestige dans mon blast. Istanbul, je suis Constantinople. Et je vais vous prouver que c'est pas un vrai lion. Parce que moi, je suis lyonnais. Donc j'ai l'âme d'un grand guignol. Ma voix vient des tripes et je te parle pas de ventriloque. Quand je rappe, y'a tout mon clan qui grogne. Là, je te la serre avec mon flow et tes membres disloquent. Ce qui fait que tu finis mou face à moi. Donc je sors le scar et blau, tu prends 30 000 shots. Et maintenant qu'il est dead, je suis le roi des lions. Donc vous pouvez en faire une grande idole. Je viens de rendre la scène de la mort du lion tellement tragique qu'on dirait que je suis Antigone. Je suis venu te shooter, toi et tous tes gentils potes. Vous vous sucez tellement que votre ligue aurait dû s'appeler le Candy Shop. Et pour toi, remixer des phases, c'est vain. C'est quoi, Wolf? Tu t'es pris pour Val Vignoble. Bah, je vais te faire chier car je vais effacer ton corps, retirer ta tête comme le logo des Patriots. Et oublie pas ton point commun avec Dame Saken. Avant de m'affronter, vous étiez les préférés de Chief. Mais là, tu vas pas esquiver les soucis. Et même si les chats traînent en bande, très bien, j'ai momifié des poussilles. Y'en a marre. Combien de temps encore je vais devoir torpiller des sous-fifres? En plus, lui, il monte les vidéos. À tout moment, ce bâtard, il va modifier les sous-titres. Bref, qu'il en soit ainsi, je vais mettre des beignes et des pralines à toute la relève avec mon phrase qui tranche. Et maintenant que j'ai graillé tous les chouchous du chef, deuxième round, on passe au plat de résistance. Ça a à peine commencé, t'es déjà fâché. Mais quand ça aura fini, tu seras comme Constantinople. Ta gloire sera déjà passée. IRL 2. Vu l'excellente affiche, ça risque d'être un événement classique, l'hécaton grave, l'écro. Mais toi, comparé au top de la ligue, t'es vraiment basique. La preuve, t'as même une tête de personnage par défaut. Ouais, t'es un cas, c'est chaud. Ce soir, tu prends un 3-0. Au revoir, frérot. Même ta tête est générique. Crapaud, ça, c'est triste. J'ai l'impression que je l'ai vu partout. Comme un drapeau de l'Algérie. Roar 6, j'ai un match-up balèze. Bien plus motivant. Limite, ce battle, la flemme, on me file toi, on m'a pas fait de cadeau, mais je vais quand même te faire ta fête gratos parce que j'allais pas non plus perdre contre toi, ça jamais, frérot, ça serait grave chaud. Devant les potes que je ramène, je vais pas perdre contre un mec qui s'appelle Crapaud. Et me dis pas, ouais, mais toi tu t'appelles Wolf parce que Crapaud, ça a quand même dû être plus dur quand il a fallu te justifier. Tu vois.
genre, tu veux t'appeler comme un animal, ok. T'aurais juste pu prendre un truc plus stylé. Mais bref, revenons à tes battles. T'as des bars, bateau c'est terrible, puis Vabo c'est terrible, me battre, oublie, je suis un rookie qui s'est fait remarquer en à peine 2 saisons comme Ramos à Séville. Et je donne content, t'es d'un pauvre crapaud comme Neville. Ouais, je me dis, je suis pas content. J'ai écouté ton round au 4 calendriers, tu mords la patte contente. C'est ce round où tu fais 2 minutes sur WAM avant de faire du battle rap conscient. Ouais, c'est pour les flics. T'es méchant, vous jouez les gens. Je te jure, des fois, t'écouter, c'est épuisant. Je clash en te détruisant. Sache que tu vas te faire 3-0 malgré tes 4 couplets grattés sur WAM. Défaite cuisante, sale, t'es cuit dans ce match. Même si t'alignes 4 rounds contre moi, tu peux pas tester la puissance. Casse. Puis connard, tu peux pas faire du battle rap sans crier. Je te jure, ça me fout le seum, me laisse pas le temps de briller. Ou c'est garanti que je vais être coupé avant la fin. Comme pour le 4 calendrier. Te couper avant la fin. Comme pour le 4 calendrier. Gros couteau bien aiguisé, tu vas souffrir sa mère. Comme si t'étais un fichier, je vais t'ouvrir avec. Donc je vais graille le crapaud, quitte à faire une indigestion. Vu ces bêtes récits, je suis sûr de le battre et c'est pour ça que je ressens même pas une petite pression. Je vais vous montrer ça, comment ouvrir ce batracien en 10 sections. Go. Le crapaud contre le loup au 4 devant les gérants du lion. Alors oui, c'est assorti, c'est drôle, mais t'es dans la merde si le loup a sorti les crocs. Carry, si je tape comme 17 gorilles, je vais refroidir son corps s'il fait chaud. Brise ton squelette, 2-7, fracture ouverte, on voit sortir des os. Je te mets à terre en une seule punch et tu repars en rampant. Pas besoin que je te balance ton mandal pendant qu'en avançant, quand je frappe, je cogne tellement comme un sourd que je me fais mal entendre dans le bras. Là ce soir, je vais mettre tous les potos d'accord. Ceux qui te donnent gagnant sont sous haut taux d'alcool. Dans tes rounds, il y a plus de clichés différents que dans une photo d'iPhone. Oui. Mais c'est pas étonnant. Au contraire, monsieur pense qu'on suranalyse trop le battle avec mes confrères. Ouais, tu sais, faut que ça reste instinctif. Ouais, mais pour ça, faut être bon, frère. Quand même, c'est vrai que de temps en temps, t'as des trucs pas mal. Mais quand tu vas juste au talent, souvent, c'est juste passable. T'es plus de ma taille. La prochaine étape pour toi, c'est d'être le premier des WAC. Ok, t'es en progression, mais jusqu'ici, ça va doucement. Pose-toi les bonnes questions. Si ton instinct te dit de dire des trucs genre « On va te renier des cartes !» Écoute-le pas tout le temps. Je dirais juste qu'il faudrait un peu plus de juge, d'expérience, d'exigence et de tri. Quand t'écris, faut que tu fasses du ménage. Je juge, ça nul, je te tue, le truc est sale. Puis fais pas genre, ta plume est plus spéciale. Parce qu'en vérité, tu nous copies. C'est juste que tu le fais mal. Moi, tout en faisant des bars, je peux vraiment parler sur lui. Crapo, toi, t'es l'inverse de Descartes. Tu penses pas, donc tu suis. Let's go. Et c'est pour ça que te fumer en 2 spice R, mais je fais le nécessaire. T'as la voix toute rock et t'as pas de goût, gros. Va faire un test PCR. Les mecs. Reculez un peu. Un peu. Vous savez qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'Adolphe se traduisait par noble loup. Bon, maintenant vous le savez. Ok, deuxième round, je déboule des terres comme Naruto, je vais monter en l'air tous tes clones, donc vas-y, envoie-moi ton armée de fans. Je vais leur apprendre à manier le mic. Pour la faire simple, je vais tous vous scalper le crâne avec plein de lignes tranchantes dans mon round lumineux. Ça, c'est mon Rasengan. Et Aurore 2, t'as dit on va se battre K5, comme les Power Rangers. Bon, là-dessus, j'avoue qu'entre nous, il n'y a pas de désaccord. Parce que t'as besoin du nombre pour avoir l'air fort. Donc, pour pouvoir écrire des schémas de port et des grosses métaphores, t'as besoin que les monstres de ton équipe se rassemblent comme le Megazord. Alors t'as pas besoin d'eux. T'avais du talent à la base avant que ces mecs l'absorbent. Non mais sérieusement, va dans un crew. Et tout ça pour même pas paraître hardcore. Alors que moi, solo, j'ai joué des coudes pour rentrer dans le cercle en Carter chez les Raptors. Je comprends pas votre délire d'alarme qui avance. Je veux dire... Non mais sérieusement. Non mais réfléchissez. Vous êtes grave chelou, vous passez votre temps à chier sur toutes les ligues et votre slogan il vient même pas de chez vous. Mais bon, la lame avance. Faut dire que c'est quand même une drôle de rime. Et eux, ils veulent même en faire une folle devise, donc à moi d'en faire une bonne reprise. Donc ouais, la lame avance dans mes punchs, puis se rétracte après le kill comme si j'étais Wolverine.
Là, c'est le moment où mes gars me disent talk to him. Vous savez qui c'est eux? Des clones qui s'entraident dès que ce follow queen. Mais tes potes n'osent pas te dire que t'as pas des gros good dreams ni de punch foudroyant. Et même si t'aimes beaucoup de jeans, mais j'ai capté. Des langues de bois qui copient les autres. En fait, je fais face à une armée de mokou jeans. Okay. Tu vois ça? Ouh, c'est des flow Gucci. Et si je t'affronte, Wolf? C'est pour qu'ils me poussent là-haut. Et tes adeptes sont peut-être tous loyaux. Mais face au crapaud, ils finissent sous le carreau. J'ai pas besoin de me mettre bleu pour que mon Walter vous mette tous KO. Toi t'excuses, toi t'excuses, qui se cache derrière un groupe avec un logo d'animal comme Gustavo. Alors comme ça les... Alors comme ça les chavoquent vers l'aurore. Mais j'ai un cœur de glace donc je m'attaque à tout le bateau. Et ouais mon 3-0 va couper des têtes. Ça c'est un coup du chapeau à la Kung là-haut. Let's go. Quand tu parles de mon blaze, mais comme une petite merde, t'as retourné ton prénom et tu t'es dit que ça sonnait d'enfer. Et puis Neya t'a suivi. Mais Spédé, elle a rien compris. Il en a profité pour mettre son pote Yann à l'envers. Allez, je vais dissoudre votre équipe. Papa, chacun une balle dans le crâne. V'là le topo, je suis le mec à la capuche et la bête poilue pour laisser Yann solo. Et maintenant, c'est moi le gourou de l'équipe. Donc, je vais faire le tri, parce qu'il y a des snitchs. Ni le pas, bao, Toyeka en était une. Donc, ça fiche lui, au tard. Mais sur la liste de ta team, il reste une bitch, un autre faux Ray, Yota. Mais t'inquiète, avec une ligne, je peux affranchir ton équipe si je Ray, Lyota. Et ça se voit que t'as pris des grosses merdes dans ta team pour attendrir leur gars. Et c'est bon, tu peux nous dire que vous avez pris Ashkan juste pour remplir le quota. Pour remplir le quota. Allez. Allez. Pour te tuer aujourd'hui, j'ai même pas besoin d'y aller à fond. Ok, t'as un flow Gucci, mais t'as un jogging Décathlon. Let's go. Mais je tape des barres. Je tape des barres quand tu pars dans des mélodies des gens et qui me tuent. Tu sais, quand tu te mets limite à chanter, calme-toi. Quoi, tu crois que t'as tes chances, déconne pas, reste gentil comme tout. Je crois que ce mec du nom de Crapaud est sous champi comme Toad. Donc au seul niveau de ces lignes toutes faibles, je sais pas si il pourrait, c'est qu'un gamin qui se chie. Si c'est Gamma qui chie, c'est pas celui de Shippuden. Contre RES, tu t'es dit, je vais faire encore plus de manga bars que lui. Pourquoi pas? Faisons ça. Du battle rap de G, ouais. Du battle rap de geek. Mais dans ce terrain pour toi, ça sent la fessée. Parce que je suis plus geek que toi. Si t'es Falco, moi je suis Fox. Je tire plus vite que toi. Cadence accélérée, je pourrais laisser ta temple serrée quand la lame avance acérée. Mais tu me connais, moi c'est Wolf. Donc là, je rentre pas dans la mêlée. Donc là, je rentre pas dans la mêlée. Let's go. Ah ouais, je suis le BR depuis longtemps. J'ai connu toutes les époques, les tendances. Toi dans cette école, t'es encore un enfant. Avec les mots, je te boxe, c'est sanglant. Pilote ce truc comme un mec de Malastar. Ici, c'est moi la star Fox, que t'en penses? Donc je te préviens, pour moi, ramène pas de stock light. Tu crois que je suis qui, moi? Je t'attaque en mode fly, pas de filler comme Dragon Ball Kai. En parlant de Dragon Ball, contre S, il est parti dans un schéma genre... J'ai un cahier chargé de phases. Je vois un gars, mais armé, al. C'est vrai, qui va tout cramer ça, mais ça. Je me demande bien par quoi ça peut finir. J'ai ramené un cramé. Wow, je l'avais pas vu venir. Non mais sérieux, c'est quoi la suite? Après ça, c'est limite s'il va se ramener genre, hey yo, c'est crapaud, j'unifie ma team, moi j'humilie ta clique. T'es ma comment j'utilise la rime quand je fais des multisyllabiques. En toute modestie, mon vieux, t'es loin d'avoir le savoir que je détiens. Des rimes riches mais prévisibles, tu crois que c'est bien? Un jour Neya a fait des rounds parodiques sur le groupe des 4 et ils sont mieux que les tiens. Je te jure, des fois si tu t'entendais, tu regardes des battle carry, c'est bien, mais tu devrais peut-être... Non,
Tu regardes des battles carry, c'est bien, mais tu dois être nul en anglais, vu ce que t'en comprends. Donc avant d'entreprendre, tu devrais peut-être en regarder plus en français. À un moment, j'ai cru en toi, mais je vois que t'apprends pas si vite. Tu reach plus que Piccolo, on trouve ça limite. Quitte à mater du carry, regarde les bons battles, gros, faut que t'assimiles. Parce que là, dans tes propos, y'a de l'arythmique, une recherche d'alchimie, un tas de rim reach. Mais potons, on les voit venir à 10 000, mettre comme cette référence à Holo contre Charlie Clips. Et ça, tu le saurais, si t'avais bien regardé ce classique battle. Quand tu mettras en deux speed tout à l'heure, il est sur la chaîne de Nick Banner, juste après un round de Disaster. C'est vrai. Tout ça pour dire que tes schémas téléphonés dès le départ vont s'attendre au fiasco, genre j'avance au galop, en attaquant ce gros salaud, je l'envoie loin comme des vacances au Laos, en lâchant de grosses bastos, marquant trop sa peau, en faisant du DBZ, tu veux percer et faire des ronds. Ça, c'est le Makanko Sapo. Ça, c'est ce que t'aurais dit. Mais moi, je voulais dire, en faisant du DBZ, tu veux percer et faire des ronds, mais t'es pas Monsieur Satan, pauvre crapaud. Je pourrais faire je sais pas combien de rounds sur ces lignes de DBZ. Comme le Makanko Sapo. Je suis sûr que là, t'es confus, genre, mais du coup, j'en fais trop ou pas assez? Oh, c'est simple. Gros, c'est simple, t'en fais trop ou pas assez. T'es une sorte de fusion entre Mike P, Twerk, Bill Collector et d'autres mecs. Mais la fusion est ratée, y'a du boulot. Tu vois, Gotenks, t'as le même problème. Soit c'est lourdeau, soit c'est trop lège. Puis ton collègue, le roux. Faut être honnête, vous rappelez pareil, tu croyais qu'on allait pas cramer la rodka, mais on reconnaît. J'affronte le flot de carottes et, au fait, il est pas là pour toi? Ça fait de toi Goten. Ça fait de toi Goten, j'ai dit c'était Goten, c'était pas la bonne version. Quoi, tu me crois pas? Dans ce cas-là, dis-moi pourquoi ton pote Fantomas n'est pas avec toi. Vraiment dommage, tu seras peut-être top tier un jour après un énième roar. Moi je peux arriver avec le 12 comme le 13e mois, jamais je me loupe quand je te vise. Jamais je me loupe quand je te vise, on te voit pour la dernière fois. Une fois que je l'ai explosé, je me retourne et je m'éloigne doucement dans le style des mecs cool dans les films. Maintenant moi j'ai un fantôme derrière moi. Matt, comme elle est lourde la rime, t'assumes pas du tout le tarif. Maîtrise des barres comme Obélix, donc tout seul je peux gérer toute ta team par toute ta tisse. Non, en vrai, du 4 c'est un poteau, j'avoue, mais je connais le battle rap, on fait genre les grands dangereux, donc si j'y vais comme un dingo, mort à vous, mais on va plus les entendre eux. Vous êtes solidaires? Ok, je vais vous laisser ensemble, bleu. Oui. Les bars, quand c'est bien fait, ça peut faire crier. Ici comme Aurore, l'image du catch la fait briller. Toi, tu t'y crois, mais t'es juste un plus petit moi, comme février. Oh. Let's go! Vous savez, moi, je suis un type sympa. Enfin, avant de fumer de l'herbe. C'est dommage, on aurait pu être potes, hein. Parce que ta gueule, on doit sûrement fumer la même merde. Mais bon, je suis pas comme toi. Pour manier les guns, j'ai jamais besoin de poudre en encas. Mais quand je suis chargé en verre, j'envoie la foudre comme Blanca. Parce que ouais, après mon battle contre Akem, on m'a demandé de me calmer sur les gun bars. Ben, je veux bien, hein. Mais le truc, c'est que là, je suis grave tendu. Donc, qu'est-ce que ça? T'es la ligne de départ, t'entends pop, 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 comme si je démarrais mon Vespa. Allez, Wolf, ramène tes gun bars, qu'on stab. Chaque punch te fera l'effet d'une grosse claque, car avant le fight, je remonte toujours mon AK comme un All Black. Et ouais, t'es dans la merde. L'occasion était trop belle pour pas que je te shoote, l'ami. Et si je te tue pas ici, c'est pas grave. J'ai des snipers postés dans toute la ville, ok? Je vous décris le script. Laser rouge dans tout le quartier, comme dans une ville. Si t'es direct contre père-fils, et même si t'es en vie, si t'attires tout de suite les canons comme un touriste au raid de la district. Dans mon arsenal, il y a le canon Garrick, le Toriyama Akira. Et ouais, je suis comme Trunks. En avant, je peux tuer l'équipe que tu bâtiras. Et si je ramène trop de flow, tu prends peur. Normal, tu n'es qu'un Shakira. Donc si tu pointes ta canon devant moi, il va tellement trembler qu'on dirait que c'est le cul de Shakira. Eh, pourtant, mes death notes sont light, mais elles vont te faire voir la lumière. Et je te parle pas de Kira. J'ai tout l'attirail. Drive by en moto, bah, j'ai des traces derrière moi comme dans Akira. Mais juste gars qui chasse. Donc aucune chance que tu me battes, fils. Même si tu ramènes 4 clips, je maîtrise toutes les tactiques. Donc tu vas prendre ton hat-trick. Moi solo, je peux prendre ta tag team, toi, tu ne prends pas de risque, regarde, t'as emmené ton armée de clones. Mais crois pas que c'est parce que je rappe vite que je peux pas aussi sortir une armée de Smith au ralenti comme dans Matrix. Moi je te crame, fils, avec un nouveau round lumineux. Fais avec mes mains comme Kid Boo. T'as dit que t'allais me démolir, mais faut que tu calmes la weed, loup. Et c'est pas parce que tu sors ton arsenal devant moi qu'il faut jouer au big, loup.
Je suis capable de tout. Je vais même conquérir le public au 4. Normal, je suis un sublime connard qui va bouffer le chat, ouais. Comme un cuni sauvage. Et vous, est-ce que moi, vous connaissez votre histoire, hein? Bande de puristes d'occasion, non? Votre histoire, elle a commencé il y a 2 ans, lors d'une nuit d'orage, lorsque Néa, sous sa couette, a découvert les joies du multiclonage. Avant les pédales là, moi j'ai pas honte de le dire, hein. J'avais pas votre niveau à la base, mais j'avais la rage de faux. Pour mettre un niveau, je t'ai fait dur. Jamais je me repose, alors toi, t'as du talent, mais tu restes dans ton confort parce que tu battes soit chez toi, soit Aurore pour pas changer de zone. Alors que moi, je me mets en danger dans plein de ligues pour affûter mes techniques et mes chromes. Je respecte ma discipline de partout, contrairement à tes clones. Donc vas-y, laisse ta sec faire des cris pendant que j'accrois mon royaume et reste assis sur tes acquis pendant que je m'assois sur le trône. Bon, tout ça c'est bien, mais crois pas que c'est toi qu'on vient voir. T'as des gun bars obsolètes, c'est pas nouveau. Là c'est le round où je mets je sais pas combien de balles dans le crapaud, comme le porte-monnaie de Naruto. Oui. Et contre Dame, contre Dames, j'ai pas fait de gun bars, mais là si. Parce que ça m'a saoulé, tes gun bars médiocres enculés, c'est lassant, tu devrais me laisser te donner la leçon. Colt 1911, loi 1901, je vais lancer l'assaut. Oh. À chaque fois que tu fais un truc qui devrait être interdit dans le BR, ça me vénère. Donc je shoot 2 balles. À chaque fois que tu fais un real talk avec des rimes pauvres, je shoot 2 balles. À chaque fois que tu pars, à chaque fois que tu fais la voix cassée, genre tu vas te fâcher, je shoot 2 balles. À chaque fois que tu bouffes les voyelles comme si tu te souciais pas d'elles, je shoot 2 balles. À chaque fois que Rod 4 t'as sur l'épaule pour te rassurer quand t'as pas assuré, je shoot 2 balles. À chaque fois que je shoot 2 balles, je shoot 2 balles. Let's go. Je shoot 2 balles. Allez, allez. Et après que je shoot 2 balles, je shoot 2 balles, je shoot 2 balles. Allez, let's go. Allez, allez, allez. Oh ouais, c'est vrai que des fois on peut dire que je suis élitiste, mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu qui se définit. Genre, quand je t'entends, ça se voit que t'écris vite, du coup normal, t'as des lignes de speed et limite. Ce que je dis t'élimine, les gun bars, les tiennes donnent raison à ceux qui les critiquent. Je te promets. Bon, des fois, il y a des trucs qui peuvent être bien, mais il reste un problème. Il y a toujours un gros « mais », comme un festin. Ouais. Genre, barse de crapaud. Je suis pas venu blaguer, là, je viens pour des fourrailler. Je sais que quand j'arrive sur le ring, je cogne comme Ali Boum, aïe. Tu sais que je peux ramener plus d'un œuf, ouais. Comme un poulailler. Rien de ce que t'amènes n'est neuf. J'ai ramené les barres au sommet. Pff, arrête le bluff. Tes gun bars, c'est jamais de la bête de bœuf. Comment tu veux être un défenseur des gun bars? Tu joues qu'avec le neuf. Puis si tu sais rien faire sans ton neuf, tu maîtrises pas assez la recette. J'ai décortiqué son style comme masqué pour la recette. Mes gun bars à moi, ça donne. Je peux débouler, cagouler. J'arrive masqué pour la recette. Let's go. J'arrive chez toi masqué pour la recette. Allez, c'est bon, c'est bon. Là, t'as capté. Je suis dans l'abus, je vais t'attaquer. Je te fous des trous partout. Le loup-garou est mal luné. T'as capté. Conférence Zoom. J'allume et je parle après. Toi et ta clique, je peux styler sur vous. Des gun bars, moi, je suis bon élève. Personne de ta team ne survécu quand je lock 19 sur 20. Et si j'arrive le 8 avec le 8, ça va tuer, sûr. Je vais vous faire voir des images gore avec ces cartouches. Fumer, tue. Là, t'as bien compris le thème, j'ouvre le feu. Avec le 45, je suis OP, comme dans MW2. Donc pour toi, ça va être compliqué. Pour toi, ça m'a l'air compliqué, je te bats facile, ça va être simple. Ce battle, c'est Sarbacane AR comprimé contre Carabine AR15. Je t'ai dit là-dedans, je suis un expert, donc observe et laisse faire. Mat, les gun bars, calibre 5, 5, 6 pour une M16. Ok, j'avoue, là, je suis dans l'excès. Mais toi, ta tech, elle est pas si folle. Ici, c'est moi le capitaine, pour moi, c'est facile comme easy. Fusil de précision, le canon est si long, je peux atteindre Washington. D'ici. Let's go. Je tire vite, tout pour l'attaque, rien lâcher. Une grosse mitrailleuse avec un bipied, sûr que ça va bien marcher. Contre Aken, t'as fait un concept genre, j'ai ramené 3 canons, ok c'était fun,
Mais moi, je viens de faire mieux. Je viens de passer par toutes sortes d'armes, comme un gun game. Wow.